Parle avec le réalisateur et metteur en scène Xavier Duringer. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous avez Bonjour. Très bien connu Jane Birkin, vous avez co-réalisé le téléfilm « Oh pardon, tu dormais » en 1992, dont le scénario a été co-écrit par Jane Birkin. Le film est ensuite devenu une pièce de théâtre que vous avez mise en scène et où Jane Birkin, cette fois, a joué. On imagine aujourd'hui votre émotion. Oui, je pense tout d'abord à ses enfants, à sa famille, à la grande famille artistique, voilà, orpheline ce soir d'une grande égérie, d'une grande dame. Elle avait tellement de cordes à son arc, c'est incroyable, parce que moi je me rappelle d'elle aussi en tant que dessinatrice, peintre, écrivant, la musique, toujours il y avait une soif de vivre, une recherche permanente de la simplicité et de la perfection chez elle dans le travail. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'elle a fait de sa vie une sorte de simplicité dans la perfection. C'était sa recherche permanente. Avant de parler de votre collaboration avec elle, qui a duré, je crois, un an environ, quel souvenir est-ce que vous gardez d'elle personnellement? C'est-à-dire tout d'abord de sa personne. Une chose extraordinaire, une rencontre, on s'est rencontré grâce à Bertrand Tavernier pour la mise en scène de cette pièce. C'était sa propre pièce, donc elle avait très peur de jouer son propre rôle. Elle était toujours, je me répète, mais dans la recherche de la perfection, et elle avait très très peur en fait de jouer son propre rôle. Avec Thierry Fortino, ils avaient une sorte de rituel avant la pièce qui était extraordinaire, c'est que pendant pratiquement plus de 6 mois, ils s'installaient à la même table du même petit restaurant, mangeant la même chose, buvant la même chose, une sorte de rituel comme ça permanent. Et puis ce souvenir aussi de, j'allais dire, de solitude aussi. C'est-à-dire que le soir, il y avait toujours une centaine de personnes qui l'attendaient en criant « Jane, on t'aime ». Et elle partait avec un gros bouquet de roses rouges et je la raccompagnais au taxi. Elle me disait « Tu vois, les gens m'aiment, mais je suis seule dans ma vie ». Donc il y avait cette solitude d'artiste et en même temps ce côté matriarcat, parce que sa famille, c'était ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, ses combats sociaux, politiques. C'est-à-dire vraiment, c'était une grande artiste. Voilà, j'ai du mal à dire plus. Et on entend bien votre émotion, un grand professionnalisme également dans le travail. C'est certain, c'est-à-dire cette recherche permanente de la vérité, de la simplicité, d'être elle-même. C'était une nature profonde, c'est quelqu'un qui était habité, qui avait une âme tellement lumineuse. J'allais dire, aujourd'hui, une lumière s'est éteinte iconique sur Terre et elle s'allume aussitôt dans le ciel. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait... Il suffit de voir les gens qu'elle a côtoyés, qu'elle a aimés, les gens qui l'ont aimé pendant sa vie. C'était des qu'elle a épousé, c'était toujours des génies, c'était toujours des gens qui étaient en pointe. On parle de Serge Gainsbourg, mais de ses maris. C'était vraiment quelqu'un qui était une muse et qui nous forçait, en fait... Une muse, mais pas que, une inspiratrice également. Une muse, une inspiratrice... une icône, une idole, quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie, même du rock'n'roll. Quand vous avez chanté, quand vous avez passé cette chanson là juste avant, elle pourrait faire partie des noms, j'allais dire, qui étaient cités. C'est une égérie du rock'n'roll. C'est voilà, je peux pas. C'est comme si on perdait c'est la petite fiancée des Français. Je me rappelle même dans ma famille, quand on la voyait, quand j'étais tout petit, on la voyait à la télé, on était toujours très émus, comme si c'était notre petite fiancée. Quoi. Et comment vous expliquez alors cette proximité de Jane Birkin avec la population française? La simplicité. La simplicité, le talent. Il n'y avait jamais de prétention. Elle ne disait jamais du mal des gens. Il y avait quelque chose, une bienveillance, une grâce absolument extraordinaire chez elle qui faisait que, voilà, elle forçait à l'admiration. Merci beaucoup Xavier Duringer pour votre réaction aujourd'hui sur France 24 après la mort de Jane Birkin à l'âge de 76 ans. Et puis on y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité...